Cameroun. Oh yes, oh. Oh bozo. Le concert de Dadju. Oh yes, oh. Oh bozo. Alors on fait on se ça a été, merci. Donc là, je me trouve dans un truc de jeu. Là je rentre à la maison, c'était super super super, vraiment c'est un endroit à visiter. Bon, je viens de rentrer les gars, là je vais me changer, je vais me laver, mettre en pyjama et puis je vais au dodo. Et on se retrouve donc demain
lors du réveil. Je vais vous montrer ma journée de demain. Et voilà, à toutes. Le lendemain. Un beau temps ce matin. Là, je vais détacher mes cheveux. Bon, là, j'ai fini mon shampoing. Je vais faire des plantains. Voilà, des bananes plantains. Ouais. Je vais le découper. Tu sais, aujourd'hui, ça sera une journée pisse. Hein. C'est pas tous les jours la fête. Donc, ça va être une journée pisse. Donc, faire des plantains. Je sais pas si vous, comment vous appelez ça chez vous. Dans mon pays, on appelle ça, enfin, dans ma langue, dans mon dialecte, on appelle ça des missolets. Des missolets. Je vous mettrai ça en barre d'infos comment ça s'écrit. Des missolets. Des plantains, des bananes plantains. Donc, ouais, je vous montre comment je coupe ça. Oui, comme ça. Il y en a qui le coupent comme ça, genre comme ça. Tac, 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 tac. Mais moi, je coupe ça plus comme ça. Oui, comme ça. Voilà. Esthétiquement, visuellement, c'est plus beau, je trouve. C'est la même chose, mais c'est plus beau. Selon moi. Et voilà. Mettez-moi en commentaire comment vous appelez ça chez vous, dans votre pays et tout. Comment on appelle ça? Je vais manger ça avec du poisson frit. J'ai fait briser le poisson. D'ailleurs, je ne vous ai même pas filmé. Désolée. J'ai fait frire le poisson hier. Avant-hier, plutôt. J'en ai fait beaucoup. Donc, c'est le reste que je vais donc manger avec des missolets. On va aussi parler d'un sujet qui chauffe en ce moment. Le porti-porta. Bon, je ferai une vidéo spécialement pour ça. Mais en bref, franchement, faut arrêter, hein. Faut arrêter d'aller là-bas pour faire le porti-porta. Même comme je sais que c'est pas que là-bas, il y en a. Ça se passe aussi ici, en France, en Allemagne, en Belgique et tout, Cameroun. Mais l'argent c'est bien, mais la santé c'est meilleur. Comment tu vas manger les cacas de quelqu'un? C'est grave ça. Tu manges des cacas pour de l'argent. Et maintenant, quand tu auras cet argent-là, tu crois que la maladie que tu vas choper, ça va pouvoir, l'argent là va pouvoir soigner cette maladie là. Là est la question. Donc il faut vraiment réfléchir avant d'aller faire le porti-porta ou porta-porti, je sais pas quoi là. Voilà. Sinon, la vidéo va venir. Donc bientôt, je vous fais la vidéo spécialement pour les longs yeux. J'appelle ça avoir les longs yeux. Donc là, j'ai fini de découper tous mes plantains. Vous voyez ? Mes plantains, j'ai fini. Là, bon, il y en a qui mettent un peu de sel. Hein. Il y en a qui mettent un peu de sel pour avoir un peu plus de... Moi-même, je mets d'ailleurs un peu de sel, mais là, j'ai pas envie de mettre. Mais d'habitude, je mets un peu de sel pour relever le côté sucré parce que les plantains, c'est sucré. Voilà. Donc là, je vais mettre de l'huile dans ma poêle. J'ai la friteuse, mais je vais faire avec la poêle parce qu'il y en a... J'ai juste fait deux plantains, donc ça sert à rien de mettre dans la friteuse. Bref, je vais faire dans la poêle, c'est mieux. Je vais mettre de l'huile dans la poêle. Je vais attendre que ça chauffe. Ensuite, je vais mettre mes plantains à cuire. Voilà. Je vous montre tout de suite. Plantain, à quoi il ressemble, découpé. Et voilà, juste l'huile juste à côté. Donc là, vous voyez le fil de mon chargeur. Voilà, vous voyez, ça sautille déjà. Parce qu'il y a un peu d'eau. Il y avait de l'eau un peu dans la poêle. Donc voilà. Mais là, je pense que mon huile, là, c'est bon, je pense. Elle est ready.
Ok. Voilà. Ouais. On les fait frire comme ça. Et dès qu'elles sont... quand elles prennent une couleur genre marron, on la retourne. Et dès que c'est prêt des deux côtés, quand les deux côtés sont bien marron, et ben là, on les enlève. On les met dans une assiette, quoi. Voilà. Je termine de faire mes plantains, on se retrouve tout de suite. Vous voyez à quoi ça ressemble? Bah voilà, c'est ça. Vous devez obtenir ça quand c'est cette couleur-là ou un peu plus clair. Bah c'est bon. Ça veut dire que c'est prêt. J'ai terminé de sortir mon poisson. Voilà, j'ai fait chauffer mon poisson que je vais mettre dans mon plat. Voilà, je vais vous montrer mon plat tout de suite, je vous montre mon plat. Là c'est dans la cuisine, hein. Là je suis dans la cuisine. Vous imaginez bien, vu qu'il y a le micro-ondes et tout, c'est que c'est pas la chambre. La haute, il y avait la haute, donc je sais pas si vous m'avez entendu même avant. Donc je disais que j'ai sorti mon poisson, le poisson est prêt. J'ai fait chauffer ça au micro-ondes. Donc là, j'ai mis ça dans mon plat et je vous montre tout de suite mon plat. Voilà mon plat. Donc là, j'ai mariné mon poisson avec des condiments verts. Et voilà. Voilà quoi mon plat de ce midi. Bon, de ce 13h parce qu'il est 13h39. Donc, de ce 13h. Voilà. Plus tard. Bon, là, je m'en vais me coiffer. Vous me voyez avec mon foulard là, vous me voyez avec un foulard parce que je vais me coiffer. Je vais aller me coiffer. Il fait beau aujourd'hui, hein. Franchement, c'est beau. Il fait très beau aujourd'hui. Donc là, je m'en vais me coiffer. Je vais faire des rasta. Même comme ma devanture est un peu fragile quand même. J'ai un petit problème avec ma devanture. Elle est super fragile. Mais je crois que je vais faire des gros rasta. Donc là, je vais acheter des mèches. T'as pas une grande bouteille ? Paris. Toi seulement, toi, tu t'en arrêtes de. Je suis pas votre âge, moi. Je me répète pas avec moi. Me regardez, franchement, vous avez dans ma tête, me rendez. Lâchez-moi l'affaire. Acte 2, Paris. Je suis bien arrivée. Là, je vais aller me coiffer directement. Comme vous voyez, à Paris, les gens le sentent chaud, hein. Faut pas chercher, sinon tu vas trouver, hein.
Et ouais. Donc là j'ai fini de me coiffer, bon ma tête elle est un peu grosse là, mais voilà j'ai fini de me coiffer mes rasta et bon je vais faire, je vais mettre dans l'eau à la maison parce que j'avais pas le temps, il faut que je rentre, il se fait tard, là il est 23h06 donc je rentre, donc voilà, il faut que je rentre. Plus tard. Bon là je m'en vais, je rentre, c'est le retour, donc comme il fait chaud j'ai mon manteau sous les mains, il fait chaud, là ça tombe que c'est un jour de marché, c'est dimanche, le jour du marché chez, dans ma ville, donc là je rentre. Ce fut un week-end court mais effectif, efficace. Là je suis dans le bus. Là, je suis à la gare du Bourget. Je vais prendre le RER pour prendre le RER B en direction de Gare du Nord pour aller à Gare du Nord pour prendre le TER qui va en direction de Beauvais. Voilà. À toutes.
Donc là, je suis dans le train pour Beauvais. J'attends qu'on parte. Et voilà. Il fait beau aujourd'hui sur Paris. Il fait beau. Pas trop chaud, pas trop froid. Ce que j'aime, quoi. Attention, s'il vous plaît, je vais réaliser un essai de fonctionnement des portes. Prenez garde à la fermeture des portes. Merci. Donc voilà. On se retrouve à Beauvais. À toutes. Là, je vais chercher de quoi manger dans une pizzeria juste à côté de la gare. Il fait chaud, hein. Donc voilà, pizza time. Je vais me prendre une pizza là. J'ai tellement faim, j'ai pas mangé depuis le matin. Arrivé à Beauvais aéroport. Regardez la foule. Oh my god. Il y a du monde. Il y a trop de monde. Bah voilà, je suis dans l'avion. Ça a été tout. Ça sera tout pour ce petit vlog de week-end. Donc voilà, j'attends vos likes, vos partages et surtout abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et partager mes vidéos pour qu'elles puissent toucher un maximum de personnes. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus, bisous.